Et voilà, salut à tous, c'est Titanos, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la maison. Installez-vous. Bon, ma chambre, c'est un peu le bordel, mais bon. Un peu de rangement, ça ferait pas de mal. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose d'aller explorer Kogoron, une des 7 forteresses. Je sais pas si vous voyez, espèce de gros complexe bizarre, là. Moi, j'en ai trouvé 7. Apparemment, donc peut-être qu'il y en a d'autres, mais moi, pour l'instant, j'en ai trouvé que 7. Et Kogoron, c'est clairement la plus intéressante, d'autant plus qu'on finit avec un boss. Bon, je vous fais voir sur la carte. Alors là, Kogoron, c'est là. Et voilà, c'est une autre forteresse. Je sais pas si vous voyez ce que c'est des espèces de grosses... moi, j'appelle ça des forteresses. Donc, le plus simple, c'est de partir de Margan. Parce que après, ouais, Aldron, ça fait un peu loin. Donc, le plus simple, c'est d'arriver à Margan. Et vous allez... De toute façon, je vous ferai voir dans la vidéo, je vous explique un peu le trajet. Bon, en gros, c'est là, Margan, vous filez par là, hop. Et vous allez tomber sur cette forteresse. Et qui était plutôt pas mal à explorer. Alors là, j'étais vraiment étonné de tomber sur un boss. Parce que ça, je n'avais pas souvenir, à part Dagoth Urt, là. On va faire un petit tour du propriétaire. À part Dagoth Urt à la fin, là, je me souviens pas avoir être tombé sur un boss. Mais en tout cas, là, bonne surprise. Voilà, c'est mon entre pour la magie noire. Alors avant de commencer, je vous conseille de vous procurer une dizaine minimum, alors soit des parchemins de capture d'âme, ou alors le mieux c'est le sort de capture d'âme. Bon, moi j'ai celui-là hein, de base. Vous voyez là, je sais pas si vous voyez la magie qui change. Voilà, capture d'âme, ça vous allez en avoir super besoin. Après moi c'est des conseils que je vous donne, hein, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi, mais vraiment moi je vous conseille ça. Et une dizaine de pierres comme ça, des gemmes spirituelles. Des puissantes gemmes spirituelles. Ça, il vous en faut au moins 10. Et vous allez comprendre pourquoi. Après, il y a celle-ci, mais je sais pas si ça marche vraiment. Ça, c'est en explorant un peu les grottes, les cavernes, nous en trouvons en fouillant un peu partout. Mais à acheter, c'est un peu compliqué. Faut aller explorer, en fait. Donc ça, je vous conseille une dizaine comme ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, bah forcément, bah, une arme bien puissante. Alors, moi, j'ai... une épée large en ébonite. Avec... là, j'ai une armure en verre, donc après, à vous de voir. Et puis, des pots, une bonne dizaine... Enfin, allez, 5 potions de guérison. Guérison des maladies, guérison du fléau. Et une bonne protection physique. Et puis, je pense que vous serez bien. Voilà. Parce que ça vous permet d'enchanter. Parce que dans cette forteresse-là, il y a des tonnes de... d'âmes super puissantes que vous pourrez capturer et qui vous permettront ensuite d'enchanter des armes ou des objets, et c'est des objets qui ont une grande charge de magie. Donc voilà, une bonne arme, une bonne épée, des potions de guérison. Je vais juste vous faire voir, regardez ce que vous pourrez récolter. Alors, ils sont où mes âmes? Tout ce que j'ai récolté, ouais, c'est genre comme ça, regardez. De Dagoth Uvil, on a des 66 000 de charge. Donc là, vous voyez, moi je vous conseille au moins une dizaine de gemmes comme ça, parce que vous allez pouvoir capturer 10 grandes âmes que vous pourrez réutiliser après. Moi, je sais pas trop encore ce que je vais en faire, parce que j'ai pas encore vraiment d'idée sur le build définitif que je vais avoir. Quelle arme, je sais pas. Même là, les gants que vous avez, c'est les gants d'Edric, et vous pourrez les récupérer aussi dans Kogoron. Donc ben voilà, on a fait le tour, hein. Rien d'autre à préciser. Donc il n'y a pas spécialement beaucoup d'objets intéressants, à part les gants d'Edric, il y a aussi un casque en verre. De toute façon, je vous ferai un petit résumé à la fin. Je sais pas où il est, je sais pas où j'ai mis. Il y a un casque en verre à récupérer, il y a pas mal d'objets, mais c'est surtout au niveau des âmes à récupérer. Voilà, c'est là que c'est super intéressant. Voilà, bonne vidéo à tous, à très bientôt, et surtout, n'oubliez pas, quoi que vous fassiez, faites-le bien. Ciao, ciao! Thank you.
Oh.